Nous, on espérait que c'est lui qui délivrait
Israël. La mort de Jésus, donc, comme dit Cléopas ici, signifiait pour eux la fin de leur espoir. Alors qu'au contraire, sa mort aurait plutôt un grand espoir. Cléopas et son frère prennent donc la route de leur village, peut-être pour aller se cacher par peur des représailles romains. Mais c'était affronté avec la vigilance d'un grand chasseur que ne pouvait pas laisser échapper d'un gibier pour lequel il a donné sa vie. Jésus va donc les rattraper en chemin. Parce que comme ils étaient en train de partir, c'était pour dire que cette vie. Alors je tire un autre village. Il n'y a plus rien. Jésus les rattrape donc en chemin. Pourquoi vous discutez comme ça? Ah non, laisse-nous. Mais toi, tu n'es pas au courant de quoi? Oui, Jésus le même, ils ont donc cheminé ensemble jusqu'à leur domicile. Et le Seigneur est en train de passer. Il lui dit, ben non, viens dormir chez nous. Le jour est sur son déclin, viens dormir chez nous, tu vas continuer demain. Pendant qu'ils étaient donc à table. Le premier acte que le Seigneur pose, il devait commencer par attirer leur attention. Il commence à rendre grâce. Seigneur, merci pour ce et votre morceau que tu nous as donné. Vous invitez quelqu'un chez lui, il va à la vidéo, il est en dos du. Vous savez, il nous donne. Il leur donne donc, quand il mange, c'est rabbi, on a vu ça. Il est parti. Au moment où leurs yeux s'ouvrent pour le reconnaître, le Seigneur disparaît. Et ils savaient désormais que c'était lui. Ils ont donc directement porté leur héros en même temps. Non, allons directement à Jérusalem. Confirmer à nos frères que le rabbi est ressuscité. Amen. Amen. Ils ont porté leur héros en mangeant en route. Ils sont donc allés pour annoncer à Jérusalem que le rabbi est ressuscité. Nous l'avons cru. Seulement, bien-aimé, ici, il faut le dire, même après la résurrection du Seigneur, l'espoir qui est revenu, en fait ici, et en ce que le but tournait toujours autour de la même attente, voir Jésus chasser les Romains. Toujours même après sa résurrection. Il est vivant. Vous dites qu'on l'a vu. Et puis quand on veut le saluer pour les rabbis, il est parti, il a disparu. Cela signifie quoi en fait? On croyait que l'espoir était là. Cela signifie que sa mort n'était que partie remise. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Maintenant qu'il est devenu homme et fantôme en même temps, ce qui va faire aux Romains, il n'a jamais vu. L'espoir tournait toujours autour de cette attente. Voir le Seigneur nous chasser. Vous voyez, au verset 25 à 26, le Seigneur qualifie les deux disciples d'hommes sans intelligence. Parce que, bien que connaissant les prophéties bibliques, ils n'ont pas compris que la gloire de Christ passait par la souffrance. Ils n'ont pas pu accepter que la gloire de Christ devait passer par la souffrance. Pour les disciples, le fait que Dieu n'est pas intervenu pour sauver son fils de la mort les a laissés perplexes. Comme pour dire quoi en fait? Comme pour dire que parfois l'admiration que les chrétiens ont pour les choses matérielles les rend aveugles des valeurs spirituelles de leur vie. Au risque de le répéter, je dis que parfois l'admiration que les chrétiens ont pour les choses matérielles les rend aveugles
les valeurs spirituelles du royaume de Dieu. Parce que pour eux, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient qu'on arrête Christ, que Jésus, que Nazareth, comme ils l'appelaient, on met à la croix, et que Dieu croit. Qui a placé mon fils sur la croix? Qu'est-ce qu'on dit des gens? Eux, on croit du coup des gens. Ok. Comment il y a fait? Quand tu ne vois pas qu'il soit sur la croix, est-ce qu'on peut quand même souffrir un peu? Quand tu souffres le fils de qui? Non, mon fils n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Voilà ce que la croix est là. Mais ça, c'est que Dieu s'est acquis d'être son fils sur la croix de lui. C'est quel Dieu qui me laisse la vie parmi nous? C'est un nous de vous, voilà. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, c'est ce que j'ai donc dit, que parfois l'admiration que nous avons pour les choses maquillées nous rend fâcheux. Les prophéties disaient que Christ devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Ils n'ont pas voulu accepter cela. Beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu n'acceptent plus de s'affermir, n'arrivent plus au sommet de leur carrière ministérielle, ne recherchent plus la volonté de Dieu parce qu'ils ont peur de souffrir. Ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur de la reconnue. Ils ont peur de l'humiliation. Ils seront Dieu caché ta gloire derrière 4 kilomètres de souffrance avant d'arriver. Le Dieu prénoncé. On a vite fait d'oublier la maxime selon laquelle à 20 sans péril, on triomphe sans gloire. Et c'est ce que Christ n'avait jamais vu. Jésus est venu sur la terre pour libérer l'homme de l'esclavage du péché, sachant que celui qui est spirituellement restauré, Dieu peut prendre soin de lui dans tous les autres domaines. Malheureusement, les Juifs ont rejeté la restauration spirituelle parce qu'ils attendaient plutôt la restauration militaire et politique. Cléopas et son frère, il a dit au verset 19, depuis il dit que Jésus de Nazareth n'était qu'un prophète, il était un prophète puissant devant Dieu et devant le peuple. Pour lui, c'était tout ce que Jésus est sans plus. Jésus n'était qu'un prophète puissant devant Dieu et devant le peuple sans plus. Il n'a pas connu le Christ. Il n'a pas connu le Fils de Dieu, il a connu Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, devant Dieu et devant le peuple. Mais ça, c'est Cléopas et son frère. Pourquoi? Qui est Jésus-Christ? Au moins pour Cléopas, c'était un prophète puissant, devant Dieu et les hommes. Pour toi, qui est Jésus-Christ? Pour Cléopas et la majorité des Juifs, ce prophète puissant devait avoir pour mission de restaurer l'autorité territoriale de l'État d'Israël en chassant l'occupant romain. C'était sa leur attente. Toi, attends-tu le Jésus-Christ? Ces deux questions dont les paroles sorti des versets 19 et 21 a constitué le thème de notre sermon de ce matin. Qui est Jésus-Christ pour toi et t'attends-tu de Dieu? Qui est Jésus-Christ pour toi et t'attends-tu de lui? Nous devons jouer carte sur table parce que l'intervention de Cléopas ici et son frère nous donne la confirmation que certains disciples du Seigneur ne savaient pas qui il était. Et si c'est le cas, cela nous fait donc dire que même dans nos églises, il y en a qui entendent parler régulièrement du Jésus-Christ, mais ils ne savent pas qui il est. Et
Je vous fais remarquer en passant que la précision que Cléon fait ici au verset 19, il dit Jésus de Nazareth. Cette précision tient compte du fait que plusieurs personnes portaient le nom de Jésus, bien que cela signifie un vaisseau. Mais plusieurs personnes portaient ce nom. Et pour pas que votre interlocuteur ne vous réponde que tel Jésus parle-tu, il fallait donc anticiper à cette question en tant que les plus sites, en précisant Jésus de Nazareth. Parce que plusieurs personnes portaient ce nom. Il se trouve malheureusement que dans nos églises, il y en a qui connaissent l'histoire qu'il est titre de Jésus-Christ, sans savoir exactement qui il est et ce qu'il peut faire dans l'œuvre. Ils ne savent pas pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité. Il y a des personnes qui, au quotidien, appellent Jésus Seigneur, alors que Jésus n'est pas le Seigneur de leur, dans leur vie. Il y en a qui l'appellent sauveur alors qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas encore reçu le salut de Jésus dans leur vie. Il y en a qui l'appellent Seigneur et sauveur alors que Jésus n'a été ni reçu comme sauveur ni imposé comme Seigneur dans leur vie. Bien aimé, celui qui répond et reçoit Christ dans son cœur, Christ devient son sauveur. Le jour où cette personne décide de l'introniser comme Seigneur, c'est-à-dire celui qui reste en maître dans sa vie, Christ devient son sauveur et son Seigneur. Seulement, Christ ne peut pas être le Seigneur dans la vie d'une personne qui ne l'a pas encore reçu comme sauveur. Christ sauve d'abord quelqu'un avant de se faire introniser par cette personne comme Seigneur. Et si, quand nous recevons Jésus-Christ comme sauveur, le Saint-Esprit vient négocier, il vient nous conseiller, il vient nous convaincre d'introniser Christ comme Seigneur, afin que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit prennent la direction de notre vie. Ce moment-là, le Saint-Esprit, comme nous le savons, ne vient jamais avec les parachutes d'or. Il ne vient pas avec des problèmes pour nous forcer à obéir à ce qu'il dit. Nous sommes donc libres d'obéir ou de désobéir. Nous sommes libres de faire ce qu'il dit ou de ne pas faire. Et si nous ne voulons Christ que comme sauveur parce que nous avons peur d'aller en enfer, nous devons tout simplement savoir que si nous le refusons comme Seigneur, le mariage entre lui et nous ne peut pas faire non plus. Parce que ce mariage, ça fait ce qu'on appelle communément, le bien en reste. C'est le bien en reste. Et non le présent c'est Dieu. Oui, parce que ici, le chrétien qui refuse le Christ, qui refuse que le Christ soit le Seigneur de sa vie, est comme un oiseau qu'on tient par les plumes et qui peut à tout moment s'envoler et nous laisser les plumes dans la main. Ce genre de chrétien, même Christ n'a pas le pouvoir de lui dire ce qu'il veut. Non, on ne me dit pas ceci. Si on me fait ceci, je vais rester chez moi. Si on me dit ceci, quand Christ a été reçu comme sauveur seulement parce qu'on a peur d'aller en enfer, et que Christ n'est pas comme Seigneur dans notre vie, nous, notre mariage ne va pas faire non plus. Et à ce moment, personne ne peut nous dire quoi que ce soit. Non, si vous me dites ceci, je vais rester chez moi. Si vous me dites là, alors je ne marche plus. En général, les gens veulent recevoir le salut de Christ, mais ils n'aiment pas faire ce que Christ dit. Ils posaient donc la question aux Juifs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Voilà ce que Jésus posait la bonne question aux Juifs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Bien-aimés,
Je le dis, en général, si un chrétien dit au Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur, non, non, à Jésus-Christ, sois seulement mon sauveur pour m'épargner de l'enfer, mais pas mon Seigneur parce que tu ne dois pas gérer ma vie, je la gère moi-même. Alors ce chrétien est le Seigneur de sa propre vie. Christ n'est pas son Seigneur. Le jour où le pasteur lui dit ce que tu as fait, ça n'était pas bien. Tu dis ça, à moi on dit ça. On me dit ça, ah, tu vas encore devoir lire. Le jour où le Seigneur dit non, ne fais pas que ça, tu n'es pas bien. Ah, tu dis ça. Tout le monde dit ça. Oh, d'accord. On va voir ça. Parce que je suis le Seigneur de ma vie. Christ est ton bon sauveur. Alors, on ne me dit pas n'importe quoi. On ne me fait pas n'importe quoi. Je fais ce que je veux, même Christ n'a pas de pouvoir sur moi. Raison pour laquelle je dis, Christ ne force personne de l'imposer comme Seigneur. Quand on l'appelle comme sauveur, il vient. Mais si vous dites, non, tu n'es pas le Seigneur de ma vie, votre mariage va faire longueur. Tout le monde peut recevoir ce que Dieu donne. Mais très peu de personnes acceptent d'obéir et de mettre en pratique ce que Dieu dit. Pour la présence dans notre église, de la grande masse des chrétiens immatures, mal affermis malgré le nombre des années dans la foi. Hé, frère, c'est toi qui poses encore des actes comme ça. Je croyais que tu étais sur les pieds en bon groupe et tu ne fais pas le risque pour le Dieu. Tu n'es pas là pour méditer, ça c'est ma relation avec mon Dieu. Alors nous pouvons trouver dans notre vie beaucoup de chrétiens matures. Parce que tout le monde veut le pouvoir de son sauveur. Personne ne veut l'imposer comme Seigneur. Tout le monde veut rester le Seigneur de sa propre vie. Écoutez bien, les chrétiens immatures. Ils connaissent tous les devoirs que Dieu doit accomplir en leur faveur, mais ils ignorent tout ce que eux doivent faire pour Dieu. Les chrétiens immatures, ils ne voient pas ce que Dieu a déjà fait pour eux, ils ne voient que ce que Dieu n'a pas encore fait pour eux, et ils doivent faire pour eux. Les chrétiens immatures ne voient pas ce que Dieu leur a déjà donné, ils ne voient que ce que Dieu ne leur a pas encore donné, et ils doivent leur raison pour laquelle on trouvera très peu de choses positives. Combien de chrétiens on trouve en train de dire aujourd'hui, je ne manque pas de voir ma Seigneur parce que je me comporte encore de cette manière. Non seulement dans quel domaine je suis encore désobéissant. Je suis devant toi en train de pleurer, je ne peux plus être comporté de cette manière. Non. Quand le chrétien est en train de jeûner, c'est pour que le porte s'ouvre pour une promotion. Quand le chrétien jeûne, c'est pour que la porte s'ouvre pour trouver un mari pour lui chez Dieu. Quand le chrétien jeûne pour ma pour eux, c'est pour que le porte s'ouvre pour trouver une belle femme, une belle église. Pour que quelque chose se matérialise. Combien prennent le temps devant Dieu pour dire Seigneur, ce comportement, ce caractère ne me plaît plus, ça ne me dit même pas. Ça coule, je dis ton fils pour la deuxième fois, je ne le veux plus. Sors-moi de là. Les deux. Qui est Christ pour toi et ta chambre de lui? Qui est Christ pour toi et t'attends-tu de lui? Les Juifs voulaient que Jésus chasse les Romains, non pas pour arrêter ses disciples. Écoutez, on ne pouvait pas entendre les Juifs dire, quand Jésus de Nazareth va chasser les Romains. Non, même s'il nous enseigne pendant 3 jours, moi je serai toujours là en train d'écouter. Non. Ils voulaient que Jésus de Nazareth chasse les Romains pour gérer eux-mêmes leurs affaires économiques, politiques et administratives pour gérer eux-mêmes. Parce qu'ils savaient que Jésus va installer son royaume et maintenant eux ils vont prendre les places des Romains. Quand Jésus de Nazareth va chasser les Romains, je serai au moins un préfet de département. Quoi?
toi tu fais quoi donc? Moi je ne peux pas partir dans ce monde. Quand Jésus de Nazareth va chasser les Romains, moi je serai un agent de recoupement des impôts. Est-ce que tu sais que Nazareth est 4 fois plus riche que Pilate? Pilate sort devant de son palais, il a pour les honneurs, il vient juger les gens, après il rentre au palais. Mais Zachée sort le matin, la poche dit, il rentre le soir, 10 millions dans la poche, il a encore les ordinateurs qui a arraché les voitures, je sais. Il ne voulait pas que Jésus chasse les Romains parce qu'il voulait que Jésus instaure le royaume spirituel. Non. C'était pour la gestion du matériel, des affaires économiques. Écoutons ce que notre frère a dit. Notre frère nous passe. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. En fait, cela signifie que pour Cléopas et les Juifs, en général, pour les Juifs, pour eux, Christ n'a pas accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. D'où la déclaration selon laquelle tout est accompli, n'est resté qu'un candidat pur et simple. Un candidat pur et simple. Mais tout est accompli. Tu as entendu ça. Il a dit que tout est accompli. Pourquoi? Tout est accompli, il a d'abord accompli quoi? Il n'a pas accompli le temps avant de dire qu'il a accompli. Pour eux, il n'a pas accompli la mission pour laquelle il est venu. Parce qu'il n'a pas acheté les Romains. Parce que le pasteur ne m'a pas nommé à tel poste, il n'a rien fait dans notre paroisse. Parce que le surintendant ne m'a pas donné tout, ne m'a pas nommé là-bas, il n'a rien fait dans notre pays. Moi, depuis 10 ans, je suis enfant de Dieu, l'argent appartient à mon père. Et moi, je continue à manger, le sauter et le marasser. Ça, c'est un truc. Non, frère, on ne l'a pas fait. Non, ça ne veut pas faire. Si Dieu sait que l'or et l'argent ne lui appartiennent plus, ou alors qu'il a tout partagé, il n'a pas de vie. Mais comment se fait-il que moi, un enfant de Dieu à qui appartient l'homme de la terre, mon père, je continue à mettre le corps comme ça sur le soleil pour la carte de taxi. Alors que si de l'autre vent, qu'est-ce que nous donnons? Je ne peux pas dire qu'il ne soit plus. Et je me dis pour toi, Satan, tu veux. C'est Satan, son père, c'est le peuple de Dieu. Ce matin, que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions savoir exactement. Qui est pris pour nous. Et que le Seigneur ouvre les yeux à chacun de nous. De savoir que plusieurs parmi vous ici présents peuvent être actuellement en train de prier parce qu'ils vont entrer dans leur gloire. Que Christ vous aide à nous ouvrir les yeux parce que plusieurs parmi vous peuvent être actuellement en train de souffrir sans savoir qu'ils sont en train d'aller dans leur gloire comme Christ vous aide. Ne fallait-il pas que Christ s'ouvre? S'ouvre! Avant d'entrer dans sa gloire, qui vous a dit que celui qui souffre est toujours celui qui va souffrir éternellement? Qui vous a dit que celui qui est pauvre aujourd'hui va devenir pauvre? Vous pouvez être pauvre aujourd'hui, demain vous devenez riche. Vous pouvez souffrir aujourd'hui, demain Christ vous fait asseoir dans la gloire. N'a-t-il pas souffert? Après que Dieu a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est venu à fond, lui dit, pas à fond, la vie de Christ a été donnée pour tout le monde a été la tête. Parce qu'il est passé par la grâce. Que Dieu nous protège, afin que la mort et la résurrection de son Fils puissent faire de nous des personnes vertes et des personnes qui savent pourquoi il a accompli sa mission afin que nous employions les principaux bénéficiaires. Que le Seigneur nous bénisse. Oh.
Thank you.